tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 8 février et on commence le 89e vlog. On change de décor aujourd'hui parce que il fait super beau. En haut, si je me mets à ma place d'habitude, je vais voir le soleil comme ça, ça va faire comme ça. Et je me suis dit, tiens, fais comme dans le temps, retourne dans ta véranda. Voilà, alors vous voyez, là il fait super beau, donc je mets tous mes écheveaux à sécher. Il y en a là, il y en a là, il y en a encore à tremper. Enfin, j'en ai fait pas mal ce matin. Et là, je vous ai calé avec des bouteilles de vin rouge. Je fais ce que je peux. J'ai trouvé ça. Il y en a deux. J'ai dit, tiens, c'est pas mal. Parce qu'en haut, il y a le bidon de l'eau déminéralisée pour le fer à repasser. Et en bas, il y a des bouteilles de vin rouge. Voilà. Alors, donc je suis Christelle Tricotte, je suis teinturière. Bon, vous commencez à le savoir depuis le temps. Tiens, j'ai un visiteur. Tu viens? Tu viens? Prosper? Attendez. Viens, mon pépère. Viens, mon gros sac. Hop là. Regardez-moi ce truc. Voilà. Voilà mon gros Prosper. Bon, lui, il se promène, forcément, il en profite, il fait tellement beau. Il va étaler sa grosse graisse par terre, là, en plein soleil. Et là, vous ne le voyez pas, mais dans la cabane, là, il y a Albert. Oui, de toute façon, il est couché, puis même, des fois, on le cherche partout, puis il est là, et puis, on le voit pas. Renverse pas les bouteilles, toi. Voilà. Et puis, il fout du poil partout. Donc, je suis teinturière indépendante. Je ne sais pas si je vais réussir à le dire, ça y est, c'est dit. Je suis teinturière indépendante. Je teins. C'est le chat qui descend de la table. Je teins. Je recommence à faire quelques coloris sur demande. Je vais en faire un demain. J'en ai prévu un demain. Je vous montrerai le résultat aussi. Mais je le montrerai. C'est Marie Astrid qui m'a demandé ça. Je vous le montrerai avant. Savoir si ça lui convient. Et puis voilà. Qu'elle soit la première à le voir quand même. Et puis voilà, donc ici qu'est-ce qu'on a? On a là, on a du Stellina, attention c'est sec, je peux vous le prendre. Je vous montrerai ça mis en écheveau, ça sera plus joli. Stellina campagne. Stellina campagne, je vais poser ça là, là aussi à côté. Ça c'est du Mérinos fin d'été. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Tiens, ça c'est différent. C'est du Stellina forêt noire. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, là, c'est les kits chaussettes. Les kits chaussettes feuilles d'automne. Et puis, il y a du mérinos aussi, feuilles d'automne. Mais c'est pareil, c'est même couleur. Puis là, c'est pas tout à fait sec. Ouh, il y a des trucs qu'il faut pas que vous voyez. C'est parce que j'ai commencé à teindre un petit peu pour les calendriers de l'avant. Faut s'y prendre vachement tôt. Et voilà, j'ai commencé à teindre ça. Alors, je vous parle aussi dans mes vlogs, je vous parle de mes encours. Les encours du moment, donc ce sont les mêmes que la semaine précédente. Le col Carmen de... Ah si, attendez. Ewekit Toronto. Ouais, c'est ça. Et puis, le gilet Let Go de Rory Locatelli. J'ai continué mon gilet hier soir. Oh. Et franchement, il faut se forcer pour arrêter parce qu'il est... Il est super intéressant à faire ce gilet. Et ouais, j'adore. J'adore ce gilet et je vais commencer par lui. Et c'est super addictif. Bon, c'est en anglais, mais c'est simple. C'est vachement simple. Alors, attendez, comprendre ça comment? Là, ça c'est là, ça c'est là. Ah oui, ça y est, ça y est. Je vous montre le dos. Le dos, alors le dos c'est ça en fait. Hein. Voilà, c'est parce que forcément ça fait tout petit avec les torsades, mais sinon ça fait ça. Voilà, le dos comme ça que je vous montre. Ouais, non, à l'endroit c'est mieux. On recommence. Ça fait ah oui, ça fait quand même plus mieux. Voilà, donc les torsades. Donc je vous disais dans l'autre vlog, on a commencé par là. Et là, on a monté deux petits morceaux comme ça. Je dis on, je. Et puis après, j'ai... suivant les explications, évidemment. J'ai remonté des mailles là pour rejoindre les deux bouts. Et puis, on continue. On a continué. Et après, juste avant de mettre les mailles en attente, on a augmenté un petit peu là. Voilà. Après, il a fallu relever des mailles. Là. Donc,
là, ici là. Je monte mes mailles, je commence à tricoter. Pff, ça correspondait à rien du tout. Mais je dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais si, c'est parce que j'avais pas pris la... Enfin, j'étais toute décalée, en fait. Parce que là, il faut faire attention que quand on a deux mailles en droit, que ça se retrouve bien sur les deux mailles en droit, les deux mailles en vert sur les deux mailles en vert. Moi, j'étais toute décalée. Ah, j'ai refait une fois ou deux fois, je sais plus. Et puis, ça y est, c'est bon, je suis calée. Donc là, en fait, je suis en train de faire pour vous montrer... si je mets le gilet comme ça, là, vous voyez, là, je monte le devant droit. Là, là c'est ce que je fais. On augmente un peu là. Ouais. Et après, ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je. Ben, je fais. Je lis pas avant, moi. Je fais au fur et à mesure. Et puis, voilà. Donc, ça. Ah oui, je le fais aussi avec mon coloris roi. En sport, mérinos sport, donc c'est du 100% mérinos super wash, 262 mètres pour 100 grammes, c'est tout, oui c'est tout, je le tricote, contrairement à ce que je dis dans l'autre vlog machinalement, j'ai dit ça, c'est en 4 mes aiguilles, pas en 4,5, c'est en 4, bon en même temps ça change pas grand chose, parce qu'il faut faire un échantillon, hein, donc... chaque échantillon est propre à la personne. C'est pas parce que moi j'ai du. Enfin, si quelqu'un d'autre fait ce truc en 4, ça va peut-être pas donner le même échantillon. C'est ce que je veux dire. À une vache près, on obtient pareil, mais on peut pas se contenter d'une vache près sur un échantillon. Merde. Sur un échantillon de pull, parce qu'après on va se retrouver avec un truc pas du tout aux bonnes dimensions. Ça, c'est pas possible. Pour un châle, ça pose pas trop de soucis. À partir du moment où on n'est quand même pas à un écart énorme. Mais pour les mailles, pour les châles, je ne fais jamais d'échantillons. Parce que les échantillons, c'est chiant. En plus, moi, comme une andouille, je tricote ma laine. Donc, je devrais tout le temps savoir qu'en mérinos, j'ai tant. Mais je ne me rappelle jamais. Enfin, si, maintenant, si, parce que j'ai un cahier où je note je note tout, donc après j'ai qu'à reprendre le modèle, il y avait un échantillon de temps, j'avais cette laine là, donc voilà quoi, mais avant je le faisais pas systématiquement, et faut refaire à chaque fois. Alors le col Carmen, je n'y ai pas retouché du tout, depuis que je vous ai laissé donc la semaine dernière, parce que voilà, je fais mon pull, et puis le pull il est super intéressant, ça c'est pas que c'est pas intéressant, c'est bien, mais... type du point mousse et c'est pas compliqué, bah ça c'est sûr, mais bah non, j'ai juste envie de tricoter mon pull, mais c'est beau, c'est beau. Alors ça, voilà, il se met par-dessus la tête comme ça, mais j'ai peur qu'il soit un peu juste, non c'est bon, voilà, voilà. Et là, voyez, là je suis en train d'augmenter, ouais je sais pas, ouais mais après faut le bloquer, ouais. Après, là, je suis en train d'augmenter et je n'ai pas fini mes augmentations. Et puis, ouais, bah si, ça va vite en fait. Là, c'est des aiguilles 5,5. Ça va super vite. Hein. Et je le tricote. Alors, attendez, le col Carmen de... Bon, là, j'en sais rien. Bah si, je l'ai dit tout à l'heure. Ewekit Toroto. Est-ce que je... Non, ça y est, ça me revient. Je me demandais ce que j'avais sorti, Malène. C'est ça. Donc, Ewekit Toronto. Je tricote ça avec du BFL. Coloris Fanny. Pourquoi mon cake il est comme ça? C'est parce que j'avais commencé à tricoter un châle. Le châle, je sais plus quoi, de Nadia Crétin-les-Chênes. Mince, comment il s'appelait le châle? Oh, bon, bref, on s'en fout. Il était super ce châle, mais j'avais plus envie. Il était resté en attente et j'avais plus envie. Et puis, j'avais ça, le mohair, la mer quand il fait pas beau. Puis, je voyais bien les deux associations ensemble. Et je m'étais dit, bah, redutricote ton châle avec le BFL. Et puis, prends les deux et puis fais ça. Pourquoi je vous dis j'avais ça? Parce que vous vous dites, bah, elle prend ce qu'elle veut dans son stock. Ouais, bah oui, elle prend ce qu'elle veut. Mais sauf que ça... je sais pas comment je m'étais démerdée, mais des fois ça arrive, alors je les garde pour moi, je pète le fil en deux. Donc ce qui fait qu'il y a un nœud dans les écheveaux.
et bah, je ne vends pas ça. Donc, je les garde. Et je sais pas, alors soit c'est quand on met en écheveau. Oh, ouais, si, des fois quand on met en cake, c'est quand même assez fragile le mohair. Et puis quand on met en cake, on va à fond la caisse. Enfin, non, on va pas à fond la caisse, mais au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a pas de problème, donc on va à fond la caisse. Et c'est là que le pouf arrive. Et tu pètes le fil. Ça, non, c'est plus solide. Le mérinos, c'est plus solide. Mais le mohair soie, bon. Je me suis fait avoir deux, trois fois. Après, tu vas moins vite. Mais voilà. Et c'est tout. Donc oui, donc voilà avec quoi je tricote ce col. Voilà. Et ça donne, de près, ça donne ça. Donc ça, je trouve ça vachement beau aussi. Mais quand on a un temps comme ça, ben, on n'a pas envie de tricoter ça. Mais si, si, parce que le matin, il fait vraiment pas chaud quand même. Ce matin, il faisait moins 4. Moins 4. Alors, oui, bah si vous êtes, enfin, je pense, je dis ça pour celles et ceux qui arrivent en cours de route. J'ai ma fille qui est décédée il y a 2 mois et demi. Et donc sa tombe est toujours très très fleurie. C'est ma maman. Alors je fais un grand merci à ma maman qui s'en occupe parce que moi je suis une grosse nulle en fleurs. Et elle, elle fait ça super bien. Donc bah, vous savez, enfin vous savez, non, oui, quand Inès est décédée, il y a eu plein de plantes et tout ça d'offert. Et ma maman, elle récupère les trucs et qui sont fanés, puis elle replante et tout. Enfin, elle... oh, c'est une pro. Franchement, elle fait ça super bien. Et bref, Inès a la tombe la plus belle du cimetière. Et grâce à ma maman. Et puis, donc là, il n'y a plus que du. Elle a fait des belles compositions avec du persistant, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelques fleurs artificielles. Et il y a des primevères et des chrysanthèmes. Et puis, bon, avant, il y en avait aussi pas mal, mais il y en avait tellement. Que moi je m'étais dit, bah, écoute, tant pis, ça va geler, mais c'est la nature, c'est comme ça, on peut pas, il y en a beaucoup trop. Et maintenant, bon, il n'y a plus que 3 pots que ma maman a fait avec des primevères et des chrysanthèmes. Donc là, en ce moment, le soir, je vais au cimetière avec ma voiture, je me gare juste devant, en plus, on a de la chance d'aller quand même à côté de l'entrée, je charge les pots dans la voiture, le matin, je retourne, je remets ça, et puis bah, j'ai vu que les autres avaient soif quand même. Donc alors ce matin, bah, j'avais pris mon bidon de 5 litres pour arroser, parce qu'il y a de l'eau au cimetière, c'est pas le problème, mais en ce moment, c'est censé être coupé, l'eau est censée être coupée, la semaine dernière, elle était coupée, l'eau, donc ce qui fait qu'il faut prendre de l'eau de chez soi pour arroser. Sauf que bah, ce matin, je prends mon bidon de 5 litres. Je n'avais pas assez. Alors, bah, je dis, tiens, on va aller voir au robinet, on ne sait jamais. Oh, bah, il y avait de l'eau. Alors, je mets mon seau de 5 litres, je mets. Et puis, bah, je bobe la lune. Puis d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon truc a bougé. Pff, je me suis pris toute l'eau froide. Partout. En plus, le temps que je réagisse. Ah ben, bah, j'en avais partout. Ah bah j'étais trempée. Bah il fait pas chaud. Et bon bref, voilà, tout ça pour dire que je me suis prise une douche ce matin. Et bon, je sais pas pourquoi je disais ça sinon. Enfin bref, c'est l'anecdote de la journée. Bon apparemment je vous ai bien fait rire avec mon truc de la semaine dernière, mon lancer de... Mon... Comment on appelle ça? Le tonneau du porte-aiguille. Ouais, bah ça m'arrive souvent des conneries comme ça. Ouais, des fois, je m'énerve moi-même, je vous jure. Eh, l'autre jour, là, regardez-moi ça. Une boîte de thon. J'ouvre la boîte de thon, je fais ma tarte au thon. Et puis, bon, il en reste au fond de la boîte. Bah, je prends comme ça. Hop! Ouf, oh, bah, j'ai coupé. Mais bon, eh ben, déjà, bah, t'attends. Après, tu te dis, bah, je vais mettre un pansement. Alors, moi, je fais un pansement, vous savez, comme elle faisait ma grand-mère quand j'étais petite. Y a que ça qui est pris, mais tout juste si je bande pas toute la main. Enfin, non, quand même pas. Mais là, j'avais un truc énorme. Puis bah, ouais, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et puis bah, au bout d'un moment, je comprimais tout. Puis bah, après, j'ai remis un petit pansement. Puis hier soir, ça coulait encore. Enfin, ouais, ça a mis 2 jours à bien cicatriser, ça. Hein. Bon, hey, c'est pas grave, il y a pire. Bon, sinon, j'ai rien d'autre à raconter. Moi, là, il est quelle heure? Je sais pas. Ah si, j'ai mon téléphone. 2h15. Je voudrais encore teindre un petit peu là. J'ai des copines qui viennent à 3h. Et puis bah avant aussi, il faut que je teigne et puis que je mette bah, tout ce qui est en haut de sec. J'essaie de mettre ça en écheveau, mais je ne veux pas avoir le temps. C'est pas grave, on finira demain.
Voilà, bon, et eh ben moi je vais essayer de venir vous voir demain. Enfin, si ça a avancé mes tricots, je vais faire mon pull, mon gilet, parce qu'il est tellement. Il est tellement bien. Je vais laisser peut-être un petit peu le col pour l'instant. Voilà. Allez, à demain. Ah non, pas demain. Je vous montre après, là, juste la vidéo qu'on a tournée ce matin avec mon mari. C'est les échevaux du mois. Donc, n'importe quoi. Tu recommences. Ce qu'on a tourné avec mon mari ce matin, c'est les échevaux de la semaine. Et puis, voilà. Donc, je vous explique. Comme d'habitude, j'en fais 6. Et puis, 6 kits. Et part très rapidement. Je suis contente. Ça vous plaît bien. Voilà. Allez, à demain. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour refaire des échevaux de la semaine. Alors là, je vous ai préparé 6 mini de 50 grammes, comme d'habitude. Et puis, alors là, tiens, je vais utiliser mes teintures. C'est des teintures Greener Shade, en fait. Et c'est pas ce que j'utilise habituellement, hein. Habituellement, c'est une marque, je pense, en Angleterre. Mais c'est pas la seule. Si, c'est la seule qui me convient, la seule teinture qui me convient vraiment. Et voilà. Après, en France, hein, il y a des teintures beaucoup moins chères, mais c'est pas ce que je veux. Voilà. Alors, en Greener Shade, j'ai ça. J'utilise pas souvent. Donc là, on va les utiliser. Alors, comme d'habitude, on va en mettre un petit peu d'eau. Et puis alors, j'ai du rouge, du vert, du orange et du corail. Coral Reef, c'est quoi ça? Ça doit être un turquoise, je pense. Eh ben, tiens, on va prendre ça. On en met, comment on fait? Pas beaucoup, beaucoup. Ouais, bah arrête. Ça, on va mélanger. Et puis, on va en mettre. Un peu, caméraman, tu vois, oh là là, j'en verse à côté. Le plan de travail n'a pas besoin d'être teint pourtant, mais bon, il va être teint quand même. Voilà. Je laisse comme ça, je touche à rien. Je mets le feu. Voilà. Ça, mon couvercle. Et puis on revient dans 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, ça fait pas un turquoise en fait. Ça fait un bleu. Bah, je sais pas. Un bleu. Un bleu, un beau bleu. Alors, on va recommencer. Et du coup, ben, orange. C'est celle qui suit. On va mettre du orange. On va doser un peu plus. Pas trop quand même. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Voilà. On va remettre le couvercle. Fais pas de bruit et on revient dans 5 minutes. Voilà ce que ça donne. Alors, il reste du vert et du rouge. Je pense qu'on va retourner les écheveaux. Alors, on va essayer de pas tout faire comme d'habitude. On va essayer de pas faire comme d'habitude. C'est ça que je veux faire dire. 1, 2. Merde. Pardon. On va prendre les deux parce qu'à la longue. Et hop là. Tac. Ces deux-là. Et hop. Oh. Voilà. Bon, c'est pas mal. Alors. Ça, bah, et ben là, on a le vert. On va mettre du vert. Je cherche qu'elle pour après le mince, comment on appelle ça, le contrastant, on va mettre
Allez, c'est parti. Ben voilà, c'est bon comme ça. On met le couvert. 5 minutes. Voilà. Alors, voilà ce qu'on a. Et puis, on va rajouter du rouge. Hein, la dernière couleur, on met le rouge. On met un peu plus. Non, ça ne marche pas. On met du foncé. Hein. Oui, bah, de toute façon. Oh là, oh mon pull! Oui, l'habitué, c'est pas grave. Non, c'est là. Alors, j'en ai un autre pull, il est bleu marine, c'est bien, moi je peux le tacher, ça se voit pas. Bon, allez, on y va. Bon, alors voilà, c'est pas mal. En couleur contrastant, qu'est-ce qu'on met? T'en penses quoi? Titique. Et tu me dis pas, oh, moi, vous savez, t'en penses quoi? J'en sais rien. Un foncé. Bah non. Bon, bah, fallait dire un clair. Bah oui. Un clair. Mais quelle couleur? Bah, je sais pas. Bon, tu sais pas, tu sais pas. Il m'agace. Bon, c'est pas grave. Je partirai sur, comme la dernière fois, un jaune pâle. T'en penses quoi? Oui. De toute façon, Très si bien, t'es ça. pas d'accord, je crois que c'est pareil. Le jaune pâle. Le jaune pâle. Le jaune pâle. Alors ça, c'est pas de la Greener Shade. Pas trop. Ou je crois que j'en ai mis trop. C'est pas grave. Hop, approche. Viens, viens. N'aie pas peur. Voilà. Les mini, donc là il y en a 6, 20 grammes et ça va faire à peu près comme l'autre fois, plus foncé, je pense, parce que j'ai dû doser un peu plus dur, mais c'est pas grave. Si, si, c'est bien, hein, faut mettre un plus clair parce que c'est foncé, Exactement. oui, bah j'ai toujours raison. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Oui, c'est ça, oui, t'as raison. Hop, un couvercle, voilà, et puis je vais revenir vous voir quand ça va être prêt. Je vais vous montrer ce que j'ai filmé, ce que j'ai filmé, non, ce que j'ai teint ce matin. Là, j'ai teint du Stellina sans la mer quand il fait beau. C'est une précommande. Là, il y a du. J'ai fait des mérinivins et des bambous pivoine là-dedans. Alors, vous voyez, quand je fais des trucs rien qu'à speckle, vous voyez comment ça se met? Enfin, je mets ça sous cellophane en fait. J'applique mes speckles, après je mets ça sous cellophane, comme ça je fais des boudins, puis je mets ça à la vapeur. Alors là il y a du neige chaude, attendez que je filme, je regarde pas ce que je fais. Là il y a du Inès, et puis il y a du Maryse aussi. Non, c'est du Maryse que je vous ai fait voir. Le Maryse, c'est comme la neige chaude, sauf qu'il y a des speckles couleur mince, le mois du muguet. Et puis là, eh ben, il y a des Mérinis sans. Et un bambou en coloris coucher de soleil. Et puis vous avez vu aujourd'hui le beau temps qu'il fait. Ah, c'est pas comme la dernière fois. Hein. Là, il fait super beau. Hein. Que je vous montre ce que ça donne, mais c'est chiant parce que ma tablette, en fait, ça tourne de l'autre sens alors que je ne demande rien. J'espère que là, ça va aller. J'ai commencé droit. On va voir. Alors, voilà ce qu'on a fait avec les coloris de la semaine. Bon, là, on se rend pas trop compte. Hein. On verra bien quand ça sera sec. Là, c'est le jaune. Puis là, à côté, j'ai fait de la déca, encre bleue à droite et du bambou et du mérinos à gauche en pétrole. Voilà. Coucou, on est jeudi. On est jeudi. Oui, hier, on était mercredi, donc on est jeudi aujourd'hui. Je vous montre ce que j'ai fait de mon pull. Bon, alors là, pour l'instant, il n'y a plus rien d'accroché. Parce que j'ai fait le demi-devant droit. Et donc là, on arrête les mailles. Donc ça fait comme ça en vrai. Voilà. Alors là, j'ai augmenté un petit peu là, vous voyez bien. Et puis là, pareil, on a fait comme derrière, on a réaugmenté là. Mais hier soir,
Je me suis arrêtée à peu près par là. Je note tout. Et puis ce midi, je me suis dit, il me restait deux rangs à faire en fait pour finir là. Et puis ce midi, je me suis dit, bah, finis vite fait tes deux rangs, comme ça, je vais montrer le demi-devant fini. Ah ouais, mais j'avais beau avoir noté, je ne comprenais plus ce que j'avais fait en fait. Parce que donc, il faut augmenter là et après, il faut arrêter, il faut augmenter là. J'avais beau compter, je voyais bien que ça correspondait, mais dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passait, j'ai bugué. Et ben du coup, j'ai redéfait jusqu'à par là, je crois, pour retrouver. Voilà, ça, j'ai dû faire la dernière augmentation là. Et voilà. Et ben ce soir, je pense que je vais faire le demi-côté gauche, mais je vais le faire entier. Je vais pas m'arrêter, ou alors il faut que je m'arrête avant les augmentations. Enfin, non, c'est pas possible parce que même en ayant tout noté, j'ai réussi à bugger. Alors ben, oh bon, j'étais dégoûtée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu vas quand même pas faire le pull, le gilet entier du haut en bas sans t'arrêter là, parce que même en notant, je bug. C'est compliqué. Bon, voilà, ça te fait. Et ben super, ben du coup mon col il reste un petit peu de côté. Tellement c'est intéressant à faire. Et voilà. Oh sinon, je vous montre. Ma maman a fini le châle en mémoire d'Inès. Donc alors, contrairement. Même, on dirait qu'il y a du sable là-dedans, sous les roulettes. Je sais pas ce que c'est. Bon, contrairement à ce que j'ai fait et à ce que beaucoup ont fait. C'est du point de riz et pas du point mousse et pas des côtes. Je sais plus si je l'ai dit hier ou dans l'autre vlog. Donc voilà. Je vais pas me répéter au cas où, mais c'est bien du point de riz et pas des côtes. Non, je redis rien parce que j'ai peur de me répéter. Parce que je sais plus si j'ai dit ça. Bon, bref. Mais ma maman a rajouté quelque chose. Regardez ce qu'elle a fait. Donc voilà son châle. En entier, donc c'est du mérine. Non, c'est du bambou. C'est du bambou qu'elle a pris, maman. Oui, c'est ça que je lui ai donné, ouais. Donc du bambou, elle a fait le châle Inès avec la bordure en point de riz. Voilà. Et elle a brodé en mémoire d'Inès. Alors au début, elle me disait ça, elle me dit, ah, je veux broder en mémoire d'Inès. Ben, tu sais, si tu brodes Inès, ça c'est déjà pas mal, quoi, parce que tu vas mettre ça où? Enfin. Hein? Et puis, non, de toute façon, elle avait décidé qu'elle allait mettre en mémoire d'Inès. Et ben, finalement, ça fait vachement bien. Mais c'est ce que je lui disais, fais gaffe, parce que, bah ouais, pour le caser, le truc, c'est pas évident. Et je trouve ça super bien. Alors, elle me dit, qu'est-ce que je prends? Ben, j'y bah attends, je dois me rester du fil à broderie, moi, que j'avais. Oh, elle dit non, j'ai envie de prendre de la laine thé vert. Donc, elle a pris la laine thé vert et elle a dédoublé le fil. Et attendez, je vais vous montrer. Elle a dédoublé le fil. Donc, elle avait deux brins de fil et elle a fait ça. Alors, vous montrez. Si moi je prends. Là, moi, c'est du mérinos que j'ai là. Donc, vous voyez que. Attends, parce que là, ça. Vous voyez que le brin, c'est plusieurs fils retordus. Alors attendez. Si je fais comme ça. Voilà. Vous voyez. Oh là là. Pas évident de montrer ça. C'est pas grave. On va faire. Voilà. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Si. Vous voyez qu'il y a des fils. Voilà. Donc elle a pris juste deux fils de ça. Là, on voit bien qu'il y a les fils qui se voient, quoi. Voilà. Elle a pris juste deux fils. Et elle a brodé. Et alors, autant le devant que le derrière. Bon, moi, je trouve ça vachement propre. Ah oui! Ben non, parce que moi, j'ai le retour. Et là, je vois que c'est écrit normalement. Je dis, bah, oui, mais forcément, j'ai le retour à l'envers. Vous l'avez à l'endroit. Moi, pour moi, c'est écrit à l'envers. Mais là, c'est écrit à l'endroit quand je regarde. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais le mettre porté pour voir. Mais après, je pense pas qu'on voit vraiment. Voilà, faut le mettre à l'endroit d'abord. Voilà. Mais c'est normal après, mais voilà. Donc c'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est celui de ma maman.
Ma maman qui m'a pris, eh ben, un kit de chaussettes, je crois qu'elle a pris le coloris Inès et thé vert en Mérinivin. Le thé vert en Mérinivin, en Mérini 50, le coloris Inès, il me semble. Et elle a dû m'en prendre un autre. Ah bah oui, le coloris du vlog 87. Elle s'est servie avant tout le monde. Bon, c'est normal, c'est ma maman. Hein, j'avais pas mis en ligne. Elle dit, oh, j'en veux un. Bah écoute, j'ai dit prends-en un maintenant parce que mardi soir, il n'y en a plus. Alors prends-le maintenant. Et puis voilà, donc elle en a un. Et du coup, bah, je sais pas ce qu'elle va faire. Elle va faire des chaussettes. Mais je sais pas quoi. Donc on verra bien, je vous redirai. Sinon, là, j'ai des petits trucs à vous montrer que vous connaissez déjà. Et tac. Ah bah voilà. C'est bon. Alors, ça, c'est du Stellina Forêt Noire. Ah bah c'est celui que je vous ai montré hier, mais sauf que là, il est mis en écheveau. Là, on a le Stellina Campagne. Donc ça va vachement bien ensemble, je trouve. Et là, je l'ai pas fait en Stellina, mais c'est du fin d'été. En coloris. Non, bah non. C'est du Mérinos en coloris fin d'été. Voilà. Enfin, donc voilà. Là, c'est du feuille d'automne en mérinos. Et j'ai préparé aussi les kits là. Les kits chaussettes. Mais ils ne sont pas mis en écheveau. Ça, c'est du coloris roi. Donc le même coloris que je fais mon pull. Et on a ici les kits glacier. Donc un coloris roi et un coloris glacier. Voilà. Donc ça, c'est à mettre en boutique. C'est juste du réassort. Hein, et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Oh bah si si, bah il y a plein de trucs. Tiens, bah ouais, s'il y a des trucs qui partent demain matin, il faudrait que je vienne vous voir demain matin quand même de bonne heure. Enfin après, c'est des coloris qu'il y a déjà dans la boutique, c'est juste des précommandes. Ouais. Bah du genre le café crème en déca, non, je sais plus. Je sais plus, j'en ai fait tellement. Et puis là, j'ai fait des tombées de la nuit. J'ai fait, enfin, j'ai fait. Voilà. Bon, eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, je finis, enfin, je fais le devant de mon pull. J'essaie d'en faire le maximum. Et je vous montre ça demain. Coucou tout le monde, on est vendredi après-midi. Alors, je ne vous montre pas le gilet d'où j'en suis rendue. Parce que j'ai fait le côté gauche comme prévu. Tout s'est bien passé, impeccable. Sauf que je me disais, c'est bizarre, ça colle pas. Enfin, ah non, en fait, c'est pas ça. C'est que je vous disais dans la partie droite, ben, je vous disais ça avant là, la partie droite, il y avait un truc qu'il a fallu que je redéfasse pour refaire et j'étais pas certaine. Enfin bon. Eh ben ouais. Tout ça pour me rendre compte que la partie gauche, je l'ai bien faite. Et la partie droite, j'ai au lieu de faire les rangs, en fait, de la torsade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis reprendre, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et puis dès le début. Voilà. Bon, donc, je suis en train de défaire. J'ai défait la partie droite. Bon, j'ai laissé ça hein, jusqu'au rang 3. Et je refais la partie droite. Voilà. Bon, après, vaut mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois qu'on a tout remis, qu'on a remis, qu'on a joint les devants du dos et puis commencé à. Enfin, ouais, je m'en serais rendu compte. Ouais, enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc voilà, donc je ne vous le montrerai pas. Sinon, donc j'ai éteint beaucoup et j'ai mis des choses en écheveau que je vais vous montrer. C'est juste des trucs que je remets dans la boutique comme ça. C'est que du bambou là que j'ai là pour l'instant. Donc ça, c'est du bambou neige chaude. C'est ce que je vous ai montré ça, je crois, en début de semaine. Enfin, je vous en ai parlé quand j'étais dans la véranda. Et ça, c'est le bambou Maryse. Alors voilà, voyez la différence? Le bambou Maryse, c'est du neige chaude avec des taches. Speckle, vert, coloris, le mois du muguet. Voilà la seule différence entre les deux.
Donc ça, donc je vous en montre qu'un de chaque, mais voilà, j'en ai fait plusieurs. Donc neige chaude, Maryse. Là, on a un bambou pétrole, coloris pétrole. Donc il faut savoir qu'en pétrole, il rend plus clair hein, que dans le coloris en mérinos. Le pétrole. Ça, c'est un pivoine qui va bien avec ça aussi, parce qu'on retrouve du coloris rose là, ici et là. Voilà. Ah oui, on en a là aussi, mais je les ai mis de côté, ceux-là, ce qui partent. Ça, c'est du bambou toujours. Là, on a du marronnier, du bambou marronnier et du bambou café crème. Donc on a ça et puis ça c'est juste voilà c'est du Inès en bambou. Je vous montre ça parce que c'est prêt à partir et puis vu que ce matin j'ai tout fait partir sans rien vous montrer, c'est juste dommage parce que après je me disais voilà c'est des couleurs comme ça que vous connaissez. Il y avait juste un truc qui était magnifique. On m'a demandé du Mary Mohair en coloris douceur d'automne et ça vraiment c'est dommage que je voulais pas montrer. C'est beau. C'est vraiment beau. Le Mary Mohair, c'est un fil vraiment déjà très soyeux, très doux. Enfin, ouais, très brillant. Et en douceur d'automne, ouais, ça, je trouve que ça rendait vachement bien. Et là, j'ai une erreur. Donc, je mets ces coloris. Ce sont des coloris uniques. Il y en a trois. Trois bambous. Donc, je les ai appelés or brun coloris unique. Pourquoi? Si j'avais voulu, j'aurais pu les refaire. Enfin, hein, les refaire. Les faire une couleur plus foncée par-dessus et puis voilà. Mais j'ai décidé de les garder comme ça parce qu'ils sont beaux. Ils sont uniques, mais ils sont beaux. Vous voyez de près ce que ça donne. Donc il y a bien du coloris or brun, mais il y a du jaune en fait, plus, enfin, de l'ocre, ocre. Un peu plus que dans le coloris or brun, le vrai or brun. Pourquoi? Parce que je devais pas avoir les idées où il fallait. Quand j'ai mis les écheveaux dans la gamelle, l'eau était plus chaude qu'il ne fallait. Et donc, il y a des colorants qui fixent plus rapidement sur la laine que d'autres. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, on a les trois bambous en coloris unique, c'est or brun. Voilà, or brun, coloris unique. Mais ils sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont uniques. Vous voyez, comme là, on voit bien qu'il y a du ocre. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y avait juste là un... Oh là, oh là, oh là! Oh, bah doucement. Et ça, c'est chiant, mon installation. Mais je ne sais pas comment faire. Et puis ça, c'est pas du bambou. Ça, c'est du mérinissant. C'est du coucher de soleil. Et ça y est, les coloris, les écheveaux de la semaine sont prêts. Enfin, ils sont prêts. Ils ne sont pas encore tout à fait mis en écheveau. Pas tous. Parce que vu l'heure, voilà. Fallait absolument que je vienne faire mon vlog maintenant. Parce qu'après, j'ai du monde qui arrive. Et je ne peux pas me permettre... Je peux me permettre de bobiner, enfin de mettre en écheveau quand j'attends quelqu'un, mais quand j'attends quelqu'un, je ne peux pas me permettre de faire un vlog. Je ne vais pas vous couper en plein milieu ou enfin voilà. Il faut que je fasse mon vlog tranquillement. Donc, voilà ce qu'on a obtenu avec les écheveaux que je vous ai teints mardi. Alors, on a un couleur principale, donc Mérini 50. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, attendez, je regarde la caméra, mais je regardais en vrai. Donc, il y a un peu de tout en couleur. Vous voyez tout ce qu'on a mélangé. De toute façon, tout est retrouvé là. Et je vais vous les montrer comme ça pour que vous vous rendiez mieux compte. Alors, parce que tout est resté encore, hein, les fils, les machins. Voilà. Bon, on voit à peu près ça. Oui, voilà. Alors, que je vous montre, je ne saurais même pas dire les couleurs, tellement il y en a. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du orange, un peu de rose, du vert très clair mais pas pétant, voyez comme là. Du bordeaux, du gris marron, je ne sais pas. Orange vert. Ouais, orange marron. Il y a un peu de tout, vous voyez, mais ça fait un bel ensemble. Voilà, là il y a quand même du orange, jaune, enfin un truc assez clair. Et voilà. Donc ils sont tous, forcément ils sont tous pareils, pas pareils quoi. Je veux dire, vous savez comment j'ai mis, vous avez vu comment j'ai mis ma couleur. Donc voilà. Donc ceux-là, faut que je les mette,
que je les mette, oui, que je les mette en écheveau. Et donc voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça donne. Alors moi je trouve que il est bien le contrastant. Parce que voilà, ça réveille bien. Et donc j'en ai 6. Ma maman elle n'est pas encore passée par là, donc elle va pas vous les chiper. Et puis de toute façon, elle n'aime pas avoir trop de laine d'avance. Donc elle a déjà 2 kits à chaussettes. Je pense pas que. Voilà. Donc voilà. Voilà les kits chaussettes qu'on a fait ensemble. Voilà le résultat. Et bah sinon, c'est tout. Oui, bah là, après, c'est des trucs que je vous ai montrés là tout à l'heure. Et ben voilà, donc je vais pas venir. Je vous ai pas montré de tricot aujourd'hui. Demain, c'est samedi. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir au voir. C'est vraiment, vraiment pas sûr. J'ai des trucs de prévu. Donc je suis pas sûre. Sinon, comme d'habitude, je reviens vous voir lundi. Et là, j'espère que j'aurai avancé un peu plus. Ouais, j'aurai réparé ma connerie, ça c'est sûr. Et voilà. Puis en même temps, enfin, vous voyez, comme là, ce midi, j'ai posé à peine une demi-heure. Et bah, j'en ai profité pour faire le design du châle Petite Fée pour le calendrier de l'Avent. Et bon, bah, mon gilet n'avance pas quand c'est comme ça. Mais le design avance. Voilà, bon, ben je vous dis soit à demain peut-être ou sinon à lundi. Coucou, on est lundi après-midi, enfin il est 13h30. Et ouais, j'ai pas le temps de venir vous voir avant parce que ce matin j'avais un rendez-vous et bah, c'était long, puis après j'avais des bricoles à faire, enfin aller chercher mes commandes de flyers, ça, les trucs comme ça, vous savez que je mets les étiquettes, tout ça. J'avais recommandé tout ça. Et voilà, je suis rentrée, il était midi. Midi moins 10, parce que j'ai eu le temps de teindre juste avant, de mettre des gamelles à chauffer et surveiller le temps que je mange. Et puis voilà. Eh ben oui, si, je vous ai juste descendu ça. Ça y est, j'ai mis en kit. Enfin, j'ai bien fait les kits. Oh, doucement. J'ai bien fait les 6 kits. Là, ils sont bien présentés. Attendez, si j'essaie de vous prendre. Voilà. Voilà mes kits chaussettes. Voilà. Ils sont bien mis en. Bah, tel que vous les recevez, en fait, quoi. Je les mets en 2, petite étiquette. Et puis voilà. L'étiquette, elle est comme ça, normalement. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ce week-end, j'ai tricoté. J'ai avancé mon châle Petite Fée, déjà, que je ne vous montrerai pas. Et j'ai bien avancé mon gilet. Col gilet. J'ai pas touché au col parce que bah voilà, comme je vous le dis, hein, le gilet est tellement intéressant. Je vais vous le montrer. Il faut que je rebobine un écheveau parce que j'ai plus que ça. Attendez, que je vous montre dans le. Attendez, je vous montre dans le bon sens parce que comme d'habitude, je vais tout montrer à l'envers. Là. Bon. On fait comme on peut. Voilà tout ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ah bah tiens, je vais même pas essayer, voir ce que ça donnait, mais faut pas que les aiguilles. Enfin, je sais pas, je vais essayer. Faut pas que je perde mes aiguilles, c'est ça que je veux dire. Ouais, je vais la tenir celle-là. Je regarde l'autre, c'est bon. Voilà. Bon, et c'est pas mal. Alors, voilà. Le truc. Oh, ça tourne pas de ce côté-là. Voilà. Oh, j'ai du mal. Bon, je vous laisse voir. Voilà. Là. Et puis là, on est en train de. Je suis en train de former l'encolure. Donc, vous voyez, plus ça va, plus j'augmente là. Ici, j'augmente là. Et là, j'ai commencé, du coup, à augmenter dans cette bande-là. Ah, bah, de part et d'autre des anneaux marqueurs, en fait. Voilà. Et là, on reforme une torsade. Alors, faut faire attention parce que. Donc, je commence mon rang en droit là. Bah, je suis sur un rang vert. Ouais. On commence là. Donc, là, il y a une sorte de dentelle. Attendez, je vais la renlever. On a deux. On a deux torsades en fait. Celle-là. Celle-là, celle-là et celle-là, ce sont les mêmes. Et après, on change, on refait celle-là, celle-là, là et là, ce sont les mêmes. Alors,
pour vous montrer, les deux du milieu sont différentes normalement. Ouais, là, ça part pas du même sens. C'est ça. Mais c'est bien. Il est bien. Alors là, ouais, du coup, maintenant que je suis partie, donc je... C'est facile. J'ai qu'à augmenter, je sais plus, tous les je sais plus combien de rangs. Donc, la bordure devant et puis sous les bras. J'augmente et ça va faire un gilet qui part un peu évasé, quoi. Et je sais même pas, j'ai même pas fait attention. On refait, je pense qu'on refait une bordure d'encolure, je pense. Oh oui, je pense, je sais pas. J'ai même pas vu ça. J'ai pas fait attention. Je sais pas. Même quand je regarde le modèle, elle doit être toute petite parce que je... Mais là, on va refaire quelque chose, je pense. On verra bien, on n'est pas rendu là. On verra bien. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Demain. Non, pas demain. Mercredi. Mercredi, j'ai ma copine, Sophie. Sophie Zen. Donc, Sophie Zen sur Instagram et au fil de la ruche sur, sur YouTube. Qui vient à la maison. Mercredi, je suis super contente, ça va faire bizarre de se voir. Viens m'apporter mon dessin pour le calendrier de l'Avent. Alors, du coup, je pense que je le mettrai avant le calendrier de l'Avent la semaine prochaine, mardi prochain. Je pense que je ferai ça. Et voilà, j'ai commencé à teindre déjà, parce que voilà, pour les couleurs... Bon, oui, voilà, enfin, il y a du travail. Et puis, moi, le design que je fais, donc là, pour l'instant, je le fais avec des vieilles laines, quoi. Et après, je vais le refaire avec les laines du calendrier. Et puis, bien assortir tout ça, faire un truc harmonieux. Voilà, je cherchais le mot, harmonieux. Faire quelque chose d'harmonieux dans les couleurs. Et en vous disant ça, je me dis, mais c'est harmonieux chez toi. Enfin, chez moi, non, c'est pas ça. Le ciel derrière, il est... Il est pareil en vrai, enfin il est waouh, il est un super ciel. Donc je commence ce vlog et je finis ce vlog dans ma véranda parce que c'est super agréable, il fait super beau. Alors voilà, sinon, si, il faut que je vous montre quand même. Je vais vous mettre une photo. Alors c'est une photo qu'on a prise hier avec ma maman et ma copine Isabelle, dont vous entendez beaucoup parler. Une photo qu'on a prise toutes les trois, donc on avait toutes les trois notre châle... en mémoire d'Inès. Et donc j'en profite pour refaire un gros bisou et dire un grand merci à Elisabeth d'avoir créé ce patron et de nous l'avoir gentiment offert. Et il y a vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, j'entends personne dire il y a un problème là. Non, il y avait juste deux erreurs au début là qu'on a rectifié. Il est très fluide, il se fait bien. Il faut juste bien compter, par contre, bien faire attention où on est rendu. Moi, je comptais à chaque demi-rang sur l'endroit pour bien voir où j'en étais et puis surtout pas se tromper pour avoir tout à redéfaire. Mais il est super agréable à faire. Alors oui, on m'a demandé plusieurs fois. Je veux dire cliente ou pas, mais c'est pareil, hein. D'envoyer le patron. Alors, il y a le patron du châle en mémoire d'Inès. Et on m'a demandé aussi le patron du châle Fanny, que moi-même j'ai créé. On m'a demandé de les envoyer par papier. Non, je suis désolée, mais il y a un moment, mes limites s'arrêtent. Enfin, j'ai des limites aussi, parce que si je commence à vous envoyer ça par papier, j'en finis pas, quoi. Non, déjà on vous les fournit par mail ou normalement beaucoup de designers, alors ça, moi je suis pas designer, beaucoup de designers les mettent sur Ravelry, point. Moi je le donne par mail, mais après je vais pas vous l'imprimer pour l'envoyer, je peux pas. Alors on m'a dit je te paye, mais non, c'est pas le problème, c'est que je peux vraiment pas, je suis désolée, mais il y a un moment, j'ai des limites et je peux pas faire tout et je peux pas accéder à toutes les demandes. Après, il y en a des demandes beaucoup plus farfelues que ça, des trucs pas possibles, mais ça, c'est pas farfelu, mais je peux pas parce que, vous demandez à des gens que vous connaissez s'il y a une imprimante, mais
je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez, celles qui ont demandé, j'ai répondu, mais c'est vrai que, voilà, non, 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 si je commence à une, c'est pas possible, c'est pas possible, ça on peut pas. Voilà, alors, eh ben moi je vais vous laisser là. Alors je sais pas du tout combien il fait le vlog, mais en temps, mais c'est pas grave, je dis ce que j'ai à dire, et puis je vais pas meubler pour meubler. Et puis voilà, donc on se revoit donc mardi prochain. J'espère que j'aurai le temps de bien tourner parce que bon, demain matin, on a encore un rendez-vous chez le médecin. Après, oui, on doit retourner au funé où Inès était. On a, ils ont pris, et ça se fait ça, et ils ont, en fait, ils ont pris, quand elle était, ils ont pris des empreintes de pouces, je crois. Je crois qu'ils ont pris les pouces. Voilà, c'est ça. Et ils nous avaient proposé, si on voulait, de faire des bijoux avec ces empreintes. Et donc, on a 6 mois pour le faire. Après, les empreintes sont détruites. Donc, on va aller faire ça. On va aller voir ça demain. Depuis le temps qu'on le dit, le temps passe super vite. Et voilà, donc on fera ça demain matin. Après, bah, voilà, ça va prendre déjà une bonne partie du temps. L'après-midi. Mon mari se fait tatouer Inès, et moi, ma tatoueuse m'a dit, je vais reprendre le, enfin, en fait, je vous montre le tatouage, donc il y a Inès, et le chat, là, il y était d'avance, et elle m'a dit, je fais confiance, hein, moi, pour moi, c'était très bien comme ça, hein, moi, ça me convenait tout à fait, mais elle m'a dit, je peux harmoniser le chat en lui mettant de l'ombre, alors, je sais pas trop, mais je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Alors, je lui dis oui. Donc, je vais avec mon mari. Donc, moi, j'en ai pour 5 minutes. Hein, vraiment, ça va pas être long. Enfin, quand je vois que ça, j'ai passé, allez, une bonne heure. Bon, alors, faire des ombres au chat, ça va pas être long. Et mon mari, vu ce qu'il fait, je vous montrerai. Vu ce qu'il va faire, il y en a pas pour 1 heure. Il y en a pour beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Donc, je pense que je vais revenir chez moi. Pour travailler un peu, parce que en attendant, voilà, ou sinon on va à 2 voitures, j'en sais rien comment on va faire, mais voilà. Ça, bon, bah mercredi il y a Sophie qui vient, et jeudi, vendredi, pour l'instant je n'ai rien de prévu, donc là on va bosser. Et samedi, si samedi on a des choses, et puis bah oui, puis bah après on va peut-être arrêter un petit peu de travailler quand même. Enfin bon, y a des choses incompressibles qu'il faut faire, et puis il faut le faire, même quand t'es pris, bah il faut bien travailler quand même. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, on verra ça. De toute façon, au fur et à mesure des jours, on va pas. On verra. Bon, eh bien, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, n'importe. Une bonne semaine, en tout cas, parce que vous êtes quand même plus nombreuses à regarder le mardi, mercredi, et puis après, il y a toujours des vues, mais moins. Donc voilà, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, tricotez bien, portez-vous bien. Et puis voilà, soyez heureux. Bon, allez, à la semaine prochaine. Salut!